Houlant, légère baisse et du vent offshore bien établi en cette fin de matinée pardon, sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est ensoleillé, dégagé, des températures extérieures qui montent à 24-25. Dans l'eau, elle est très très bonne, c'est 21-22. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 31. La marée est actuellement mi-descendante. Le plein bas est à 14h10 avec des coefficients de grande marée 100 plus 1. Et sur cette mi-marée descendante, le vent est offshore, plein est, il est modéré à soutenu. Il y a 2 à 3 beaufort établis, des rafales à 3-4. Il y a 16 km/h établis, des rafales à 26. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est parfaitement en ligne, elle s'est bien rangée. C'est une houle longue de 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. Relevé sur la boire, cachant Gascogne en légère baisse à 1,70 et 6 secondes. Et ça donne des vagues en légère baisse en cette fin de matinée à la Canoë. 50-80 cm en déferlement régulier. 1 mètre sur la majorité des séries. Il traîne encore un petit mètre 20 de ci, de là. Pas dominant, moins présent que ce matin tôt, mais qui traîne encore, mais qui est de plus en plus rare. Et qui est vraiment présent uniquement sur les bandes de sable du large qui concentre. La barre est facile à franchir, les vagues sont de moins en moins sélectives, c'est pratique pour tout le monde, il y a énormément de monde à l'eau. Les vagues sont pas faciles à surfer au bord, c'est creux, rapide, plutôt fermant. Sur le large, c'est là où ça déroule le mieux, il y a des vagues assez creuses avec le vent offshore sur le large. De jolies conditions, ça vaut la note de 4 sur 5, c'est pas la perfection, mais c'est quand même bien joli, et sur un bon banc, il y a de la jolie vague. Donc des vagues qui arrivent à la hauteur de la taille, des fois quand il y a les séries à 1,20 m au niveau du poitrail, taille poitrail. L'évolution pour le reste de la journée, pour ceux qui ont pas mal et qui n'ont pas besoin d'un kiné, c'est un train de houle qui va légèrement s'amortir, la boire Cachan-Gascogne est à la baisse à 1,50 m et 6 secondes. Pour ce qui est du vent, il est prévu toujours offshore cet après-midi. À surveiller, c'est pas certain. Avec la chaleur, là, il peut peut-être hésiter. Ça va être incertain. Les prévisions à 13h, c'est 1 mètre. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent d'est, 3-4. Et à 17h, légère baisse, 80 cm à mètre. Houle ouest-nord-ouest à ouest, qui perd de la période, 9 à 10 secondes de période, vent est-sud-est, 3-4. Ben, il y a du surf et de l'action toute la journée. Le meilleur créneau, c'était ce matin, avec le plus de taille. Encore bon ce midi. Et sauf et si le vent ne tourne pas cet après-midi, ça sera encore bon. Attention par contre sur la fin de journée avec de gros coefs, sur la marée haute avec la houle qui va tomber, il y aura de nouveau pas mal de spots sur les zones centrales qui seront inconsistants. Il faudra mettre une petite couche. On se retrouve à 12h30 pour un prochain point. Merci.